Félix Badio déclaré lui était au courant t'a pas arrêté Jovenel Moïse qui t'a rentré dans pays hein qui t'a sorti de Turquie 14 juin 2021 information qu'elle te joigne par rapport de un journaliste qui c'est Siméon un journaliste en ligne selon ça que lui dit. Et après information ça, ça va le fin confirmé par ex-sénateur John Joel Joseph par billet un certain Georges Deré. Donc selon ça que Félix Badio dit, il dit que c'est département d'État américain qui t'est confié avec ex-sénateur John Joel Joseph une mission pour te mettre un processus pour destituer ancien président Jovenel Moïse. Li avance plus loin pour lui dire selon source judiciaire ça zanmi Anouye Lakayo que juge Wendell Kok yo t'est organisé en prévision arrestation Jovenel Moïse là. Li t'est en contact avec plusieurs complices tant que James Solage, tant que Vincent Joseph avec trois ressortissants colombiens. Selon source toujours ami Anouye Lakayo, Félix Badio dit que dans date 4 juillet 2021, il était chita avec Wendell Kok côté juge l'ont accepté pour te vinn pran intérim nan vinn assurer intérim nan après arrestation Jovenel Moïse. Il était proposé juge l'ont ça et juge l'ont était d'accord, mettait d'accord avec proposition. Félix Badio dit que ancien ministre en justice Rockefeller Vincent est au courant de plan arrestation Jovenel Moïse. C'est ça que Félix Badio lui-même l'a dit. N'a pas rappelé nous que dans intervention que Rockefeller Vincent fait avec journaliste Guerrier Henri dans Bocanté la parole, il dit que n'est pas au courant de aucun complot de assassinat Jovenel Moïse. Selon source toujours ami Anouye Lakayo, Félix Badio dit que il était fait une réunion nan kay Renaldo Conventon côté que plusieurs complices ont été réunis et Conventon n'y pas mettre d'accord avec plan arrestation ancien président Jovenel Moïse parce que il était trouvé que mandat que monsieur était gagné dans meilleur c'était un faux mandat. Il poursuivre pour le dire que il était metté ancien sénateur Hector Anacassis au courant de plan arrestation. Selon source juridique là ami Anouye Lakayo, Félix Badio il dit que il était en contact téléphonique nan nuit 6 pour arriver 7 juillet 2021 avec moun sa yo. Woodall Jar, James Joseph, Marie Jude Gilbert Dragon, premier ministre nommé Ariel Henry. Lesa Félix Badio, il était caillon zanmil qui c'est Marie Julienne Louis Jean qui n'en pèlerin 5. Que Kaisa que zanmi an te rete an, c'est lui même qui t'a fermé parce que c'est son nom que Kaila t'a fermé. Selon même source lan zanmi Anouye Lakayo, Félix Badio t'a fait connait que Marie Jude Gilbert Dragon t'a relé pour dire que assaillant yo a dit mercenaire colombien yo t'es commencé attaquer kay président Jovenel Moïse. Vin gagner Woodall Jar avec Adiem Solage qui relé qui mandel pour faire un appel téléphonique contacter ak ancien directeur général lan Léon Charles pour lui mander ou bien pour lui passer instruction avec policier pour débloquer route là pour qu'il récupérer Christian Emmanuel Samnon pour mener dans le palais national. Donc selon sa source judiciaire rapporté ami Anouye Lakayo. Mais devant enquêteur yo Félix Badio poursuivre pour dire que dans moment ça dans moment côté machine mercenaire yo t'a pris le caï président, il était là dans PLE 5 dans Kaizan Milian, il était là à regarder machine yo qui pour aller caï président pour aller assassiner.
Li di concernant appel li te fait avec docteur Ariel Henry. Hein? Oui, li confirmé que li te relé docteur Ariel Henry vers 4 du matin. Côté que li te mandé à Ariel Henry, est-ce que li nan yon lieu qui sûr? Ariel Henry te répondit le sal pour premier ministre, li te ministre nommé par ancien président République la Jovenel Moïse. Ariel Henry te répondi que li gen un seul souci parce que c'est yon policier yo ki te ensemble avec son policier qui était à balle sécurité. Bon minuit comme ça, premier ministre actuel dans moment qui était Claude Joseph te ordonné pour retirer tout policier te attaché à sécurité Ariel Henry et retirer tout véhicule l'état qui était à la disposition ni. Ariel Henry mandé avec Félix Badio, est-ce que Jovenel Moïse mouri? Li répond, li promet li pral mener investigation pour le connait est-ce que le mouri. Quelque temps après, li relé premier ministre Ariel Henry, non, dans moment pour le premier ministre, ministre nommé Ariel Henry pour lui confirmer la nouvelle. Et dans le moment, Ariel Henry était vraiment étonné. Ça que lui précisait, ami Amoué Lakayo. Selon même source judiciaire, ça, Félix Badio dit que dans le moment, il était dans le cas qui c'est Marie Dillier dans Louis-Jean, il quitte le 8 juillet. Il retourne dans le cas 11 juillet 2021. 2021 et depuis lors pas jamais retourné. Il dit que moun sa yo tant que Marie Jude Gilbert Dragon, John Joel Joseph, Rudolph Jar, James Solage, Vincent Joseph, Renault Coventon, Dominique Covin, Wendell Coccatello, Edwin Coq, Georges Deré et Siméon ainsi connu. Donc li pa jamais communiqué avec yo. Li a plus loin devant collaborateur yo, Félix Badio dit que li bay détail sur relation li te gagné avec un suspect yo, notamment avec premier moun que li était en contact, c'était avec John Joel Joseph ou Dorjar, il était en contact avec James Solage, Vincent Joseph et Yves Saint-Hubert et d'autres encore. Li dit également que véhicule location yo c'est lui même qui t'a gagné pour l'été louer machine ça yo pour mercenaires colombiens yo pour te ka exécuter plan arrestation hein qui va gagner plan pour te assassiner ancien président Jovenel Moïse. Pendant interrogation yo, Félix Badio avoué que l'été fait des marches pour lui te infiltrer plusieurs groupes avant que lui te collaborer avec monsieur Sayo. Il admet que lui te facilité mandat d'arrêt contre Jovenel Moïse là. Il te loué véhicule pour assassin yo. Il nie toute implication li côté que il accusé Vincent Joseph qui te paré pour te bail $80,000 américains avec policier qui te autour de Jovenel Moïse pour te corrompre pour monsieur Sayo pas te fait rien pour te rester passif gens qui ont été en les t'a exécuté ancien président. Selon Souslan zami Anouel Lakayo, Joseph Félix Badio dit que depuis après crime nan, li te rete la kay li fermat. Si on kay que li te loué avec propre fond li. Li dit que li te travail nan cabinet avocat pendant li te en cavale pendant 2 ans. Li pat divulgué non cabinet sa ke li tap travail la. Li dit que document que enquêteur de CPJ te vin joine la kay li sou ordinateur li concernant
enquête assassinat Jovenel Moïse là. Il dit que il était joignio par rapport de un certain Yves André Paul qui c'est petit garçon de yon moun kap travail nan DCPJ. Félix Badiou li admet, que li te infiltré certains moun tankou John Joel Joseph ou Rudolf Jar, Vincent Joseph, Yves Saint-Hubert pour te surveiller yo. Cependant, li te finalement collaboré avec yo. Li te facilité, j'en te di avant, pour te louer machine et pour te exécuter mandat contre Jovenel Moïse. Il dit que il était loué une machine Nissan Patrol. Machine ça il était loué dans compagnie Evis que James Solage t'a conduit et machine ça a été boulé li dans Pétionville. Il dit que il pas de jambe recevoir aucun l'argent pour implication li pour il était loué machine pour assaillant yo. Félix Badiou continue pour le dire que avec question mobile assassinat pas de gain ça. Première intention yo c'était arrêter Jovenel Moïse pour te mener le Miami. C'était plan réel là ça. Donc il accusé Vincent Joseph qui te bail policier au $80,000 américains et impliqué Alexis Sineus qui te financé kou sa. N'a pas appelé nous dans émission passée, nous t'ai parlé de Alexis Sineus ça côté qui t'ai parlé 290 fois avec Félix Badiou et 203 fois avec Rudolf Jar. Yo t'ai retracé téléphone ni dans 2h04 dans Pétionville et 2 heures après tout près 2h29 bon palais national. Tout ça il disparaît jusqu'à présent mon côté le fait. Léo te interroge li tout sou akolit li yo ki nan fuit yo, takou Wendell Kok et Francis Alexis Sineus. Li di ke li identifie propriété yo ki certain numéro de téléphone codé don Rosemila petit frère zami Anwel Lakay yo. Non, Rosemila petit frère cité nan koze sa. Félix Badiou, zami Anwel Lakay yo, te vin arrêté 19 octobre 2023 que yo te interrogé monsieur. Yo te mené enquête Lakay li, konnen que bureau enquêteur affaires criminelles BAC avec brigade de recherche en intervention et BRI te débarqué Lakay Félix Badiou côté yo te joine un clé USB, laptop, desktop, iPad, document écrit qui était lié li avec assassinat ancien président Jovenel Moïse. Donc toute copie ça yo nan direction police judiciaire DCPJ. Zami Anwel Lakay yo gen juge Jean-Florence Nicole qui t'a supervisé affaire là, li indiqué que toute découverte ça yo pral constituer élément clé nan progression enquête là. Autorité yo rete vraiment discrète avec l'autre détail yo spécifique contenu dans document qui ont été saisis dans cahier Badiou yo. Côté qui ont dit que il va renforcer pour mener interrogation approfondie avec suspect Félix Badiou pour obtenir plus information zami Anwel Lakay. Eh bien zami Anwel Lakay yo c'est déclaration ça que Félix Badiou lui-même li fait avec la justice haïtienne autour de assassinat Jovenel Moïse. Nous connaît que juge Wissé Walter Voltaire gen enquête ça nan men li et nous connaît que juge lan li convoqué plusieurs proches Jovenel Moïse tant qu'au ancien ministre en justice lan Okfele Vincent pour venir confronter avec Félix Badiou. Et dans déclaration Félix Badiou il dit que il était au courant de complot pour être arrêté Jovenel Moïse là. Zami famille Anwel Lakay yo, yon groupe parlementaire américain mandé à ka président américain Joe Biden suspend supporter premier ministre de facto Ariel Henry avec zafè histoire débarqué yon force multinationale en Haïti. Pendant yon l'autre côté département trésor américain sanctionné
quatre chefs de gang qui est plus puissant en Haïti. Mais ça, tout le monde d'abtenu, c'était l'islam sanction Nations Unies. Eh bien, l'islam li tombé, li gen en pile surprise la donne. Qui est-ce qui fait partie de l'ISA? Eh bien, rete là, nous pral bon cause. Yon le côté gen Akor Montana qui boude invitation personnalité éminente CARICOM yo qui juge que délégation pas prend en charge requête plusieurs entités des faits à émissaire CARICOM yo surtout sous démission Ariel Henry nan tête en primature là. Gen ancien colonel Imlen Rebu qui pat refuse cabinet premier ministre en de facto Ariel Henry avec yon gros déclaration que nous pral faire entendre ensemble zami Anwe la Kayo. Depuis yon moun gen bon comprendre ou ka wè que place premier ministre de facto an pa nan primature. Mais des quatre murailles nan implication li côté li ki te gang yo fin assassiner moun ki pa gen pays de rechange ki gen sel Haïti pour ta passer ti restan yo. Mais nou pa konnen si c'est manque de capacité pour ta manyen crise sa dans toute dimension li. Ariel Henry laisse paysan by gang yo. Donc c'est pas seulement haïtien qui gen bon comprendre qui souhaitait que Ariel Henry démissionne. Gen un groupe parlementaire démocrate qui dans même parti politique à président américain Joe Biden qui mandé à administration Joe Biden pour les retirer tout soutien dans projet intervention militaire multinationale en Haïti ak appui que la baye premier ministre de facto Ariel Henry zami Anwe la Kayo yon lettre que yo adressé à la secrétaire d'état américain Anthony Blinken. Initiative ça gen député Ayanna Pressley ak six lotes législateur démocrate qui rete kwè que administration Biden nan ta doué plutôt et forcé nan empêcher gang yo joine accès à kan munition selon groupe parlementaire yo intervention force multinationale en Haïti pap abouti à yon transition vers un gouvernement démocrate mené par haïtien yo mais au contraire la risquer davantage à déstabiliser pays qui pral mettre en danger innocent yo qui pral yon l'autre côté planter pifon régime illégitime ça qui actuellement nan tête pays d'Haïti yo pensé États-Unis ta doué véritablement engager nan soutenir peuple haïtien. Yo exige pour administration Biden nan retire soutien avec le premier ministre de facto Ariel Henry. Côté y a encouragé négociation yo pour une transition politique démocratique qui dirigé par haïtien yo. Lettre ça li signé par madame Pressley Ayanna, député de Massachusetts, gen Yvette Clark de New York City, gen Rachidad T. Lade, Michigan, Barbara Lee, California, Yan Shakowski, Illinois, ak James McGovern, Massachusetts. Donc c'est tout un parlementaire sa yo qui signe lettre ça voyé by secrétaire d'état américain Anthony Blinken pour mander avec président américain Joe Biden suspendre supporter premier ministre de facto Ariel Henry. Toujours bon côté américain yo département trésor américain li sanctionné quatre chefs de gang qui très puissant dans pays. Côté nous ka cité non Johnson André alias Izo 5 secondes tout ça nous connaît que la police mettait avis de recherche derrière lui et monsieur li nan gros trafic de zam nan pays a Guerinel Destina alias Tilapli qui c'est chef si c'est youn nan chef nan Grand Ravine gen vite l'homme innocent
que FBI mettait 2 millions comme prime pour n'importe monde qui t'a baillé information qui menait à arrestation de Vite l'homme innocent qui c'est chef à gang crasé barrière avec Wilson Joseph qui c'est chef 400 Marozoa nous connaît qui était impliqué dans kidnapper plusieurs américains en Haïti zami à Noé Lacayo. Mais ça que tout le monde t'a prétend c'était les sanctions que Nations Unies t'a pas mettre dehors après que groupe expert dans Conseil sécurité Nations Unies yo t'a mis un extrait côté yo t'a indexé ancien chef l'état Michel Martelly qui t'a créé base 257 dans rentrée Pétionville qui t'a pas nourri gang dans pays en côté que yo t'a cité non ancien sénateur Yuri La Tortue ancien député Victor Profane dans la Tibonite ak homme d'affaires Renold Dib nous te pensé que les sanctions ça nous t'avoir joindre en personnalité important ça yo la donne zami Anouel Akayo et bien saisissement Nations Unies passé nous nan farine li rezé nous côté Nations Unies c'est augmenter li vin augmenter les côté qui te gagné non Jimmy Cherizier ak même les sanctions que département trésor américain mettait dehors donc département d'état américain mettait l'ispal dehors et dans quelques heures après nous les Nations Unies vin mettait les quatre chefs de gang nous sont cités talleur qui c'est Johnson André alias Izo, Wilson Joseph alias Lamo Sanjou, Destina Renel alias Tilapli, Vite l'homme innocent, chef gang Krasé Barrière. Côté rapport groupe expert l'ONU passé zami à Noé la Kayo. Mounzayo a passé nou nan bêtise. Pendant yon côté, groupe personnalité éminent à CARICOM qui débarqué dans pays qui vient négocier avec plusieurs acteurs politiques. Donc a gagné en pile monde qui croit c'est dans farine que monsieur Sayo a brûlé nous même gens avec l'ONU. Donc a passé nous dans farine, pas gagné sérieux qu'a régler vraiment. Donc à côté que Akon Montana avec plusieurs autres acteurs politiques t'es fait requête avec personnalité éminente CARICOM yo pour démission Ariel Henry te sous table. Côté nan première négociation yo, yo te accepté pour démission Ariel sous table et puis après monsieur retourné dans pays yo, yo vini avec yon l'autre facette avec yon l'autre accord politique côté yo koré pouvoir Ariel Henry ak yon conseil de transition de 7 membres. Gagné ancien colonel Imle Rebu qui nan table négociation yo. Eh bien, li fait gros tonton déclaration que nous pral invité ou tande ensemble avec nous. Moi si tabami moun yo. OK. Mais moi pas tête de liste. OK. Et gen un principe qui établi dans niveau collectif là que la grande collaboration n'a bay dans recherche en solution c'est dans les premiers moments pas faire aucune déclaration qui est capable un petit peu mettre discussion en difficulté. Très bien. Gagne espoir colonel. Donc en tant qu'officier, c'est moi qui premier fait pour bail exemple. Correct. Pour me suivre discipline qui est établie. Mais gagne espoir colonel. Et fait pour gagne espoir parce que nous accepter si t'as parlé. D'accord. Merci à pile colonel Rebu. Nous sommes capables de dire à la population que la parole a commencé à mettre sous table à 2h aujourd'hui. Ok. Et que dans le niveau collectif, là, ensemble avec les camarades qui sont force l'ouverturienne, aider la famille Lavalas, collectif là naturellement, et puis Montana, jusqu'à présent, nous avons une divergence de vue. Et nous avons un travail préparatoire qui est fait hier, qui permet nous un petit peu discipliner nature
rencontre et qui j'en y a poursuivre. Donc, on a pris été suivre discipline et nous pourrons à partir de 2 heures faire valoir point de vue nous avec des en dehors de vous et monter ni de parler, mais avec des justificatifs de bagaille pour qui ça a des engagements que nous pas cap prendre et qui qualité engagement que nous prêts pour nous prendre. Alors, Mdedou, et merci, et Colonel Rebu. Mais bon, posons une question, ça, qui t'a pas être important. Et nous connaissons, pour parler, ça, yo, c'est pas seulement CARICOM qui est censé, et Abriwol, et central. CARICOM, et c'est lui-même qui arbitre. Et, dans on veut là, entre nous-mêmes avec pouvoir. Est-ce que PM Ariel Henry, a délégué un monde pour venir parler avec nous ou bien c'est lui-même directement qui a impliqué dans cadre négociation. Bon, et vous connaissez en Haïti les pas jamais sérieux pour gagner un acteur principal qui est responsable et puis pour la voyer monde venir prendre position. Nous croyons que des monde qui gagne des accords pour signer avec docteur qui haïtien qui gagne droit dans débat en Haïti ou tout, nous cap accompagner docteur et c'est ça mon point cap fait. Mais docteur est capable et il fait pour là pour cap prendre des responsabilités directes et également si nous gagnons des reproches nous faire qui cap expliquer que nous pas faire confiance ou bien que nous pas croire dans compétence li que ça cap fait en direct et qu'il est capable de faire explication pour qui ça résultat nous pays a souffri la souffrir ça va permettre qu'on ait qui bosse incapable qui bosse pas fort lui s'il a une bonne volonté il te fait fort mais ça pas réussi maintenant c'est tout bagaille qui cap permettre nous comprendre qui engagement que nous cap prend avec lui ou pas. Alors gampil moun et gampil observateur, m pa dwe ken bo trop pour parce que ou on doit de réserve et nan cadre round négociation parlant pour parler ça yo et gampil moun en pile observateur qui t'a fait croire que nous-mêmes qui nan opposition et même avec gampil moun qui nan pouvoir tout et t'a fait croire que c'est nous qui a bloqué et docteur Ariel Henry t'a gen volonté tout bon vrai pour ta négocier une sortie de crise et qui soit qu'a dit de ça. Non, pas de personne moun dans opposition qui gen pouvoir pour empêcher un monde qui gen responsabilité pouvoir faire ça gen pour le faire pour population. Si au pouvoir gen deux bagailles. Ou bien ou pas capable ou bien ou pas gen volonté. Si ou pas capable ou pas en place ou si ou pas gen volonté ou bien tout complice dans série de bagailles ou pi pas en place ou tout. Pas de personne moun en Haïti qui empêche Dr. Ariel Henry prendre des mesures pour attirer la sécurité, prendre des mesures pour récupérer les espaces de justice, prendre des mesures, de bonnes mesures, pour rétablir la sécurité. D'autant que, population te baille la preuve que le montre route. Que problème insécurité à la fois vrai et faux. Parce que le gain solution, il te montre solution. C'est moun kap gouverne, nous pas fond pour qui ça, qui pas vle mettre la population pour résoudre problème là. Donc, pas gain personne moun qui empêche Dr. Ariel Henry faire quoi que ce soit, au contraire, moun opposition en aide en pile, dans bay conseil, dans expliquer qui ça bon, qui ça pas bon, mais il n'y a pas de responsabilité dans la gestion de l'État. La totale responsabilité, il y a un monde qui l'a pour l'assumer, parce que accepter ça, c'est Dr. Ariel Henry qui a accepté que le premier ministre. Ok. Merci, et Colonel Rebu. Et cerise sur le gâteau, sous plan sécurité, Colonel Rebu, ou ta directeur général de la police, mettez-le comme ça. Et puis on gagné un groupe qui t'a accusé comme monde qui qu'on a habitué parler avec un monde que la justice haïtienne a cherché avec toute la justice internationale à savoir monsieur Vitelhomme. Il t'a accusé que c'est monde qui qu'on parle avec. C'est le cas de France LB, réseau Douamoun, réseau RNDDA, réseau national Douamoun accusé et directeur général là comme monde qui n'a confié l'eau avec
et monsieur Vitelhomme et comme quoi qu'on parle avec elle li konnan et chita parle avec elle dans complicité avec elle et comment ou même on t'a réagi si on bagay kon sa ta existé c'est deux bagay qui t'a relevé de la haute criminalité parce que on bandit gen droit on bandit on criminel gen droit on criminel mais le c'est un monde qui t'a risque gen des responsabilités de temps qui t'a retrouvé dans situation pareille l'étape non cas qui tape double ou triple. Par exemple, dans l'armée, on connaît si un soldat, nous connaissons un citoyen normal, à le voler, généralement, si son vol simple, il doit prendre 6 mois de prison. Si son soldat le fait pour le prendre 2 ans de prison, si son officier le fait pour le prendre 10 ans de prison, pour même ça là. Cela veut dire que, là où nous avons des positions dans la hiérarchie qui a dirigé le pays, nous avons une responsabilité beaucoup plus importante. Parce que le pays a formé pour bien distinguer le bien du mal. Vous avez porté plainte et vous avez traîné et résolué devant la justice d'après moi. Ce sont des accusations extrêmement graves. Clair. Et les gens qui prennent ce transfert-là, nous avons fait pour le taper et traîner devant la justice pour le bail preuve, ça le dit. C'est même bien. Docteur Ariel Henry, j'ai CNN, j'ai New York Times qui prend chance cité non comme premier ministre dans complicité assassinat en président. Là, il y a 2 voix en tant que responsable d'État, même s'il n'a pas voulu faire en tant que Ariel Henry, comme monde, mais comme responsable d'État pour protéger l'État lui-même. Si tu as 2 voix, vous avez poursuivre vous avez en justice. Correct. Vous avez une preuve, ça vous dit ou non. D'ailleurs, il est dit, qui ne dit rien, consent. L'aile pas faire, nous tombons dans un cas de suspicion légitime. Correct. Donc, le monde vient suspect, nous avons fait, c'est un bagage légitime, parce que nous n'avons pas fait ça que le titre doit faire, pour le câble laver honneur, et par rapport à la responsabilité qu'elle gagne. Parce que là, bagaille a dépassé cette dimension moun, en tant qu'être humain. Moun n'a pas rien à dire, m'a pas fait rien, m'a besoin de l'obé avec moun, t'es parlé, moun, y a parlé très bien. Mais tâche que l'a occupé dans l'État, pas permettre lui faire l'axis. Donc, moi-même, je crois que l'accusation est grave. Très grave. Et que moun y a accusé, t'as gain plus intérêt que t'as porté plainte formellement. Auprès du commissaire du gouvernement pour diffamation. Normal. Il a transféré le dossier à nos cabinets d'instruction. Et le monde qui a parlé, mon normal là, a gagné 2 voix pour le vin by preuve, ça le dit. Correct. Zami famille Anouel Akayo, gout personnalité éminente en CARICOM yo prend gros soufflette nan men acteur Montana yo qui voye jete bien loin proposition CARICOM qui vise à kembe Ariel Henry sous pouvoir pour une transition de 18 mois. Donc, Akor Montana a rappelé à groupe à personnalité éminente CARICOM yo que 6 octobre qui sont passé, yo te proposé yon accord qui te mentionné démission Ariel Henry. Kounya, yo vini avec yon nouvel accord. Selon acteur Montana yo, accord ça qui vise à kembe Ariel Henry sous pouvoir, c'est un accord qui va le mettre sous souffrance peuple haïtien. Spécialement ak fam yo ti moun ke yo viole yo ti moun ki pa ka ale l'école fami ki déplacé pour violence gang yo Akor Montana critiqué groupe personnalité éminente CARICOM yo ki vle résoudre crise la ak yon simple partage gâteau côté yo accordé après ministre de facto yon pourcentage pour mettre moun livré dans poste stratégique selon volonté Ariel Henry. Je dis que bagay sa pa pote aucun changement dans situation actuelle. Au contraire, partage gâteau c'est porte li ouvri pour augmenter corruption qui pral gen grave conséquence dans fonctionnement gouvernement ak organiser élection crédible dans le pays. Donc Montana pas comprendre pour qui ça que groupe personnalité éminente yo réduit crise à pays d'Haïti à qui ont simple crise électorale. Donc attribution que yo bail à CEP sans tenir compte de revendication parti politique yo pral mener à qui ont l'autre instabilité qui pral augmenter ingérence en communauté internationale en plus toujours
nan zafè l'état. Sou plan ekonomik, Akon Montana di ke goup personnalité éminent lan li pa konsidere istwa relasyon ekonomik ak finansye secteur privé avec l'état haïtien. Goup personnalité éminent yo evite avec parti yo pou mete yo d'accord avec le man ak mission force multinationale lan sans considérer terme de référence ak mode opérationnel force lan. Sa yo pa chita sou traumatisme que ancien mission internationale yo causé avec population haïtienne. Donc Akon Montana a déclaré que document que goup personnalité éminente CARICOM yo proposé li inacceptable. Pendant que nous parlé de force multinationale, zami Anouel Akayo, nous gen nouvelle. Est-ce que vous connaissez que force que gouvernement de facto Ariel Henry a prétend pour vin bataille avec gang yo pour rétablir sécurité dans pays que pays République du Congo refusé renouveler contrat ak force Kenya qui ont été déployés dans l'est République du Congo pour te bataille avec un groupe rebelle qui est les M23 bien République du Congo jugé que troupes en Kenya li pas efficace c'est raison que yo pas renouveler mandat avec yo zami Anouel Akayo. Pendant que Haïti nan moment que n'a parlé hein gen yon délégation Kenya avec plusieurs représentants administration américaine et qui viennent faire préparatif pour force multinationale Kenya côté que yo déjà chita parlé avec PM de facto Ariel Henry ak membre haute conseil de transition hein et yo chita parlé avec DG la police là France LB donc en cadre préparatif mission si là zami Anoué Lakayo donc nouvelle là tombée zami Anoué Lakayo que Kenya force que le déployer dans République du Congo hein li pa bay résultat République du Congo trouvait que li pa efficace pendant que nous-mêmes n'a prétend pour même monsieur Sayo vinn ba nou résultat avec gang nou yo nèg rebel Sayo c'est des anciens militaires que monsieur Sayo yé et bandi que nou gen là c'est des jeunes garçons que mete zam nan men yo donc ça c'est un autre bagaille donc l'irrité ouais monsieur en action est-ce que yo ka bay résultat mais gen l'autre côté tout gen plusieurs observateurs même gens avec ancien sénateur Guy Philippe qui était quoi que la médaille Haïti police nationale avec BSAP ka ba non solution à insécurité que nous gen là. Oui, nous besoin en force vrai amis Anouel Akayo. Mais pas oublier les peuples planté monté avec un mouvement bois calé hein, tout bandi té paix, tout bandi té couri. Mais là n'a gardé force multinationale là, moun ki derrière force multinationale là, faut que nous t'a poser question. Parce que n'a rappelé non, premier moun qui t'a demandé pour Haïti gen une force multinationale, c'est Luis Abinadel qui c'est président dominicain qui c'est ennemi nous qui campait en face nous pour construction canal que n'a fait sous rivière massacre donc imaginons est-ce que ennemi nous d'après mais bon bagaille pour nous l'autre monde qui derrière force ça qui voulait pour force ça venir Haïti c'est États-Unis donc États-Unis qui mettait ensemble avec la France pour te faire nous payer dette indépendance là jusqu'à présent que n'a payé dette ça zami Anouel Akayo jusqu'à présent que international ça c'est au même qu'a fait ingérence dans pouvoir la caïno c'est eux même qui imposer nous des imposteurs monde qui pas gain capacité même genre avec docteur Ariel Henry qui gagnait plusieurs mois dans tête pays qui pas capable résultat mais il gagnait un binu qui campé dans doli tant qu'on boit des pacates pour courir lui dans tête pouvoir. Et nous voyons CARICOM débarqué venir avec un accord pour kembe Ariel Henry pour 18 mois encore dans tête pays ça. Et bien amis Anouel Akayo, pays ça a besoin d'un changement parce que Haïti pas ca rester comme ça. Jean que Guy Philippe dit hein, li inacceptable pour que haïtien accepte ça qu'a fait là. Li vraiment inacceptable. Parce que ou même kap kouri ki te Haïti, qui pa vle bataille pour Haïti pour le changer. Eh bien, zami Anouel Akayo, faut qu'on pense qui sa ke, qui pays que pral quitter pour petit ou demain. Parce que dans le moment où il est là, on pral aller. Donc c'est petit ou qui pral prendre, qui pral
joué rôle ou nan plusieurs années après. Mais est-ce que vous pensez avec Timon sa yo? Ou pas gen l'autre pays de rechange? Donc faut qu'on bataille pour pays sa li même li changer. Gade dame sa qui sou écran. Vivienne Lizad Jano. Li mouri en bas coup de balle pendant que bandi kidnappé li. Eh bien bandi ou te forcé le conduire machine ni. La police qui te gen information de kidnapping nan, yo t'ap suiv monsieur yo. Et bien nèg yo ouvert coup de balle sous machine la police riposte. Et bien en échange coup de balle, et bien dame ça li mouri au niveau de Delma 19. Donc sans oublier quantité l'autre moun qui mouri déjà dans plusieurs massacres que bandi yo fait dans pays. Donc qu'il est que nous même n'a dit assez pour nous sortir pour nous faire pression sur gouvernement en place ça pour nous faire international là connait que c'est haïtien que nous y que solution que pour fait là c'est une solution haïtienne.